Je ne savais pas. Ouah, la technique pour écrire des lignes! Ouah, c'est quand c'est écrit, il faut arrêter de manger en cours, écrit 100 fois arrêter de manger en cours sur une feuille. C'est une technique de fou! Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très très bien mangé aujourd'hui mes gros, nouvelle vidéo IRL, une vidéo de life hack, une vidéo d'astuces, de tricks et astuces, une vidéo les gars d'anti-sèche. Je suis un petit con à l'école, Ima est un petit con à l'école et toi tu es sans doute aussi mon petit gros, un petit con à l'école. Et du coup aujourd'hui une compilation des meilleurs anti-sèches pour l'école. Bien entendu les gars, je vous invite à ne pas reproduire ça, c'est plus pour le fun ou pour découvrir ou pour rigoler ou autre. Mais soyez honnêtes, travaillez bien à l'école, c'est le plus important. Et c'est comme ça qu'on ne devient pas con comme Ima. Je lance la petite vidéo. Je ne vous fais pas plus attendre. Si cette vidéo vous plaît, un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, K-E-N-I, 4 lettres comme dans la chaîne. Je compte sur vous pour manger la boutique Fortnite, les skins, les packs, les paliers, les trucs, les petits, les passes de combat, les tac-tac. Je compte sur toi. Les petits réseaux sociaux sont en description. En ce moment, on fait énormément de créatifs YouTube, sur la chaîne YouTube. Du coup, n'hésitez pas à venir si vous voulez participer aux vidéos créatives, si vous voulez parler avec nous sur les réseaux sociaux, sur le Discord, si vous voulez m'envoyer ce que vous avez mangé à midi ou autre, n'hésitez pas. Mais petit gros mon petit Ima. Oui. T'as fait des anti-sèches, toi, à l'école, Ima? Ouais. Ah, moi, gros, la meilleure anti-sèche de malade que j'ai faite, tu sais, c'est quoi? Je suis allé sur Google, ouais. J'ai tapé étiquette UU, H-U-H-U, j'ai pris une étiquette, je l'ai trafiquée, j'ai écrit mes antisèches, je l'ai imprimé et je l'ai remplacé sur mon tube de colle. J'étais grave chaud moi en antisèche quand j'étais petit. Ah non, ouais, je mettais les bouts de papier dans ma trousse. Ah ouais, vieille école toi. Ah ouais, tu connais. Moi j'avais déjà un PC, une imprimante, tout le bordel, j'étais un MacGyver de l'école. Moi j'avais pas ça. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un créer un papier fait maison. Bah ouais, mais c'est pas une anti-sèche. Ah, c'est bien n'empêche parce que ça met les... C'est cool. Ouais, j'avoue. C'est stylé. Moi qui suis le roi des gros et qui aime bien avoir un petit peu tout autour de la bouffe, bah j'aurais pu avoir un cran de papier. Ah, c'est stylé, ouais, c'est stylé. Oh, un petit briquet. Attention les gars, les enfants, pour ceux qui regardent la vidéo, ne jouez pas avec le feu les frérots, c'est dangereux, c'est très 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 dangereux. Le feu ça brûle. L'eau ça mouille. Qu'est-ce qu'il fait, oh? Je comprends pas. Oh là là, il va faire un truc à l'Aïma encore. Voilà, encore un truc à l'Aïma, gros. Encore et toujours. Oh, c'est quoi? Oh lol. Ah, c'est bien, mais ouais, voilà quoi. Pas voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je veux dire. Ah, donc là, il fait son anti-sèche. Là, il écrit A plus B au carré égale C au carré. Ah, c'est quoi la valeur de pi, Ima? C'est 1. La valeur de pi, c'est combien? Allô? Ouais, Ima. Ouais, ça va? Tu connais pi? Ouais. C'est combien? Je sais pas. La valeur de pi, c'est combien, Ima? 2, 4. Non. Quoi? C'est 3,14. T'es sérieux, Matt? Tu ne savais pas ça? Ah, si! Ah, pi! J'ai mal compris! Bah, c'est pas dur, un connard, y'a que deux lettres! Non, voilà. Alors, A, B, C, D, oui. C'est quoi, Emma, la formule pour calculer l'aire d'un cercle? Quoi? Ah bah c'est avec pi, hein. Un indice, c'est avec pi, je viens de t'en parler. Bah c'est quoi 3,14. Ah bah non, c'est une formule, je te parle d'une formule, c'est quoi la formule?
Pour calculer l'aire d'un cercle, Ima. Pi plus carré. Pour calculer l'aire d'un carré, on fait quoi? Oh non, là tu forces là par contre. Non, c'est très grave, non par contre. Non, 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 c'est très très grave. Non, c'est très très grave, non. Non, 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 c'est, non, c'est très grave là. Non, non, non. Mais si, tu sais, connard. Non. Mais pour calculer l'aire d'un carré, il faut faire la hauteur fois la longueur. Je ne savais pas. Ouah, la technique pour écrire des lignes. Ouah, c'est quand c'est écrit, il faut arrêter de manger en cours, écrit 100 fois arrêter de manger en cours sur une feuille. C'est une technique de fou. C'est trop bien. Non, mais tu sais vraiment pas, gros. Non, je te jure, vraiment. Non. Tu vois, admettons, Ima. Ouais. Admettons. Ta chambre. Ouais. Pour calculer, pour savoir ta chambre, elle fait combien de mètres carrés? Tu fais comment? Bah, tu mets un carré partout d'un mètre. Oh, putain. J'ai l'impression que je suis dans Secret Story là et que je parle avec une blondasse, quoi. Oh non, c'est grave, Ima. Vraiment, tu sais pas calculer l'aire d'un carré? Non, vraiment, c'est pas une blague. Mais wesh, mais tu fais la hauteur fois la largeur? Bah maintenant, je sais, du coup. Par exemple, si ta pièce, elle fait 5 mètres de long et 10 mètres de large, ça fait combien de mètres carrés ta pièce? 15 mètres carrés. Quoi? Mais non, tu te fous de ma gueule! Bah ça fait 10 mètres. C'est pas une addition, c'est une multiplication. C'est pas plus, c'est fois. 5 fois 10, ça fait combien, Ima? 50. Bah voilà. Donc ça fait 50 mètres carrés. Bah je savais. Non, 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 t'as dit 15, sale. Oh là là, les gars. Oh, oh putain. Ah non, c'est très grave, là. Non, mais c'est sincère, gros, c'est pas du troll. Non, vraiment, c'est pas... Ah ouais, non, c'est très très grave alors. C'est très 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 grave. C'est extrêmement grave même. Ouais, même là, les abonnés qui ont 8 ans, qui regardent la vidéo, ils sont choqués. Je change pas de sujet, sale chien, bah. Non, mec, c'est trop bon. Même les abonnés qui regardent la vidéo qui ont 8 ans, ils sont choqués là, sache-le. Bah vas-y, bah, on va voir, dites-moi dans les commentaires si je suis bête ou pas. Dites-nous dans les commentaires, les gars. Vous répondez très honnêtement, pas méchamment, si Ima est bête ou pas. Tu vas voir, Ima. Tu vas voir. Dites-moi. Dites-moi. Il va y avoir la vidéo en tendance tellement il va y avoir de commentaires, frère. Non, je pense qu'ils vont dire. Je pense qu'ils vont dire ça va. Il est pas con. Mais bien. Mais quoi? Tu sais pas calculer l'aire d'un carré? Est-ce que tu sais ce que c'est le théorème de Pythagore? Oh non, 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 c'est chaud. Le théorème de Thalès? Oh non, 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 mais non! Non, 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 ok. Les gars, dites-nous en commentaire si vous trouvez qu'Ima est con ou pas. Ah, oh, je suis choqué, gros. Thalès et Pythagore, j'étais en cours, ouais. Mais j'étais pas là. J'étais là, mais mon cerveau, il était ailleurs. Putain, what? Oh, c'est bien ça! Moi, quand j'étais au collège, j'ai jamais eu plus de 10 en moyenne. Hein. Oh là 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 là. J'ai toujours aux alentours de 6 et des 7. Tu sais compter jusque combien, Ima? Je sais pas. Est-ce que tu sais compter après 999, c'est quoi? Bah, ça y est, un million. Quoi? Bah, 999, c'est 999, c'est 1000. Ok, après 9999, c'est quoi? Bah, un million. Quoi? Non, non, tu fais exprès, gros. Tu fais exprès. Non, t'as dit quoi? Après 9999, c'est quoi? Bah, 10 000. Ok. Après 99999, c'est quoi? 100 000. Après 999999, c'est quoi? 1 million. Après 99999. Ok. Après 100 millions, c'est quoi? 10 millions. Après 100 millions, c'est 10 millions. Non, c'est 1 milliard. Et après 1 milliard, c'est quoi? 1 trilliard. Et après 1 trilliard? 1 billion. 1 billiard. Et après 1 billiard? Oh putain, non. Oh non. Vas-y, bref. Non, mais redis, on se focus sur la vidéo, gros, parce que c'est pas normal. Non, j'ai plus envie de parler avec toi. 1 billiard? J'ai plus envie de parler avec toi. 1 billiard? Ah, vas-y. Les gars,
Un billard. Ah, dis ce que vous avez à dire dans les commentaires, les abonnés. Là je peux plus là. J'ai compté jusqu'à un billard. Non. Je sais compter jusqu'à un billard. Donc maintenant vous savez que je suis pas con. Donc il y a beaucoup de gens qui savent compter jusqu'à un billard. Là, oh, voilà. Putain. Ça parle moins chinois avec moi maintenant. Oh là là, je suis la quoi bon, à la main lui. En gros du coup il triche depuis tout à l'heure, il y a fait un peu de porte-crayon papier ou déjà. Ah c'est nantissage dans le porte-crayon. Enfin dans le crayon de. Taille crayon putain. Pourquoi il y a de la bouffe d'un coup là? C'est quoi le rapport avec l'école? Fais gaffe, t'as pas quoi, copain de mie. What the fuck? Mais what? Pourquoi il fait ça d'un coup? Depuis tout à l'heure, il y a des anti-sèches et là, il nous fait une recette, wesh. Ouais, c'est quoi ce délire? Ça nous dérange pas, on aime bien. Ça me dérange pas, moi, j'aime bien. Wesh, il fait un œuf noir. Oh. Un œuf bleu? Un œuf bleu. Oh, il a mis du jaune. Attends, il va faire une tartine. Non, j'avoue que ça donne. Ça fait bizarre ça, un peu. Ça, c'est une sale tête, hein. C'est attends, t'as Emma, tu vois, c'est. Quoi? Quoi? Wow. Non, c'est stylé. Merci à vous, mes gros, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, K-E-N-I, 4 lettres, comme l'on a chaîne dans la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description. N'hésitez pas à venir en balle sur le Discord, sur les réseaux sociaux pour me parler tout simplement. Et puis, même si vous voulez participer aux éventuelles prochaines vidéos ou même en live, je vous fais des gros bisous. Je dis bon appétit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny Ima. Ciao.